Je suis au bout de ma vie. Situation actuelle. Je me suis réveillé à 6h du matin pour prendre le train, seul. J'ai laissé la vidéo que je devais envoyer à Netflix upload pendant 12h. Et au réveil, elle n'était pas encore chargée. J'essaie de la mettre en ligne dans la gare, dans le train, en vain. Je me suis fait aussi voler mon nouvel iPhone 2 semaines après l'avoir eu. Et je me retrouve ainsi avec mon ancien iPhone dont aucune des deux caméras ne marche. J'ai toujours pas trouvé mon appart. Et en plus, j'ai un rhume du futur. J'avais vraiment besoin de ce week-end. Aïe, ma vie. Donc c'est quoi le thème de ce voyage? Nos limites. Nos limites. Mais vraiment, on n'a pas de limites. Là, pour vous expliquer, il y a l'anniversaire d'Edouard. Du coup, on a décidé de tous aller à Londres. On attend tout le monde, on est les premiers. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Hein. J'ai saut dormi 3 heures. J'en ai dormi 2. Le cast est iconique. Genre. Bonsoir, vraiment. Bon, commençons par Brian, parce qu'il est juste ici. Donc Brian, c'est une queen. Il est vraiment trop drôle. Avec lui, on s'amuse trop. Et quand on sort en boîte, on sait qu'on ne rentrera pas avant les aurores. No fucking way. Même si lui doit aller au travail le lendemain. Say bonjour to Edouard Saad. Donc c'est son anniversaire, comme vous aurez compris. C'est le birthday boy. Vous l'avez probablement vu dans le dernier épisode. Il est totalement déjanté. Il adore faire la fête et a au moins 8 fous rires par jour. Il venait de se faire hospitaliser. Et pour lui, ce voyage, c'était vraiment good vibes only. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Et voici Emma et Elisa. Donc non, ce ne sont pas la même personne, ni des jumelles. Mais en fait, ce que j'allais dire pour l'une, j'allais dire pour l'autre. Ce sont vraiment des sœurs. Sisters from other misters. Elles sont toujours souriantes et good vibes. C'est les seules qui sont en études supérieures. Et oui, parce que moi, j'ai fini. Emma, un vrai cœur d'artichaut. Merci, elle est trop mignon. Mais une attitude de bad bitch. Avec Elisa, on se tape toujours des délires un peu décalés. Et on se raconte toujours nos péripéties en détail. Et voici Paola. Alors Paola, là, je suis trop émue de la présenter. Parce que c'est vraiment ma petite sœur. Je l'aime trop. Elle est vraiment adorable. Et malgré son jeune âge, elle est archi mature. Genre, mine de rien, elle m'a aidé plein de fois dans ma vie. Donc, je la connais depuis qu'elle a 12 ans. Donc, pour moi, c'est vraiment ma petite protégée. Protect at all costs. Oui, c'est la plus jeune du groupe. Mais elle est très bien entourée. Si quelqu'un s'affronte à Paola, il s'affronte à chaque personne du groupe. Et on est toujours là pour la défendre et prendre soin d'elle. Et voici Eloane. Donc Eloane, il est vraiment dans le mood tour du monde. Avant ce voyage, il revenait de Shanghai et après il partait en Thaïlande, puis après il va à Dubaï. Bref, elle voit son Insta pour suivre. Vous l'aurez compris, il adore les aventures. Sinon, c'est vraiment une personne de confiance et il est toujours chaud pour s'amuser avec ses amis. Et elle, attendez, je sais pas qui c'est. C'est qui elle? Pourquoi elle fait la star? Non mais je rigole, c'est Gloria. Allô, est-ce que j'ai besoin de la présenter? Gloria, c'est ma meilleure amie. C'est une icône, c'est une des personnes à qui je peux tout dire. Et elle, elle peut tout me dire. Genre, on se dit vraiment tout. De base, elle devait venir, après elle ne venait pas, après elle est repartie, bref, vous allez voir ça dans l'épisode. Wow, et c'est qui ce BG? Bah, c'est Jules, pareil, est-ce que j'ai vraiment besoin de le présenter? C'est un de mes amis proches et avec lui j'ai plein de délires. Dans cet épisode, il a vécu une montagne russe d'émotions. Bref, je vous laisse voir la suite, je vous spoil la plus. Il y a personne de responsable, c'est ça qui est bien. Il fait so froid. Vraiment, il fait moins 50. Bah, c'est une farce la salle de sport là au milieu. Là, depuis on s'est fait servir dans des tasses au Starbucks, c'est la première fois. Les réalités n'avancent pas, il y a que 19h25. Le wifi du Starbucks est nul, ça n'est pas en ligne. Une cerise sur le pompon. Ma lentille vient de sortir sur les têtes dans ma main et je l'ai remise directement. Je risque une infection à l'œil, mais ça va. Yes, deux pubs sex education. Donc là, je suis en train de parler avec les gens qui s'occupent de mon partenariat. J'ai dit les gottes, c'est nécessaire de les flouter ou pas? Jamais de la vie, j'aurais cru dire une phrase pareille un jour. Là, en gros, on va chercher Edouard et Simba. Je suis sorti de l'hôpital. Je sors du coiffeur pour aller retirer de l'argent. Je commence à avoir super mal au cœur. Je laisse tomber ma carte bleue, je laisse tomber mon téléphone et je me concentre que sur mon corps. Je m'écroule par terre et je dis appelle les pompiers. Donc du coup, à un moment donné, les pompiers arrivent. À un moment donné, ils envoient le diagramme de mon cœur au médecin. Le médecin indique qu'il y a une anomalie dans mes poumons et qu'il faut que j'aille à l'hôpital. Une dame arrive, elle parle au médecin. Le médecin vient me voir, il s'assoit et m'annonce que mes poumons sont décollés et que je dois me faire opérer. Le but de l'opération, c'était de m'ouvrir là. Cette machine aspire toute l'air pendant 24 heures. L'opération se passe sous anesthésie, donc du coup, je ne sens rien. Ce que j'ai eu s'appelle un pneumothorax. Et Jules. Mon corps accès. Bah oui, ouais. On a loupé notre train ce matin. Non, c'est à cause de toi. On a loupé ma valise ce matin, ouais. À 8h20, il faisait encore sa valise alors qu'on devait être à 9h dans le train. Guys, avec Edouard, là, il fait trop la star, regardez-le. Et en fait, on n'a pas eu notre train, on l'a raté. Genre, on arrivait trop en retard. Lui, il dit que c'est de ma faute et tout, mais c'est de sa faute. Du coup, on a raté le train. Le retard. Du coup, là, on a fait croire à tout le monde qu'on prenait l'avion à 18h. Là, il est genre 8h. Mais en fait, on prend le prochain à 10h. On est des icônes avec nos lunettes de soleil. On est sont extravagants. J'ai dormi 3h pour cacher ses lessives. J'ai levé le plus tôt, on pas de lunettes pour cacher. Je vois avec son pull baby blue. Et donc, il a dit que Brian, il avait pas eu le temps d'essuyer ses crottes d'œil, qu'il était déjà dans l'avion.
avec son baby blue récemment sorti du berceau. C'est un garçon. It's a boy. D'autres ils arrivent tous en décalé. Il y a des gens qui viennent aujourd'hui, des gens qui viennent demain. Ah bon? Non mais c'est celle qui tatoue Caroline Receveur et tout. Ouais. Tu vas te faire quoi comme tatou? C'est lui qui décide pour moi. Oh mon dieu. J'étais pas au courant. Depuis je dois choisir. Encore. Elle est aussi instable que moi. Edouard t'es malade. Si allez. Il veut que je choisisse son tatouage et que je le décide. Non mais il prend pas tout. J'ai marqué Jules, on se parlera plus dans une semaine. Toi tu fais un tatou comme si tu commandais un McDo genre. Non mais non, c'est un bien tatouage. C'est à faire un tatouage comme acheter un croissant. J'ai pas envie d'aller faire mon shopping avec des grosses valises, non. Mais on a des bagages. Voilà une grosse. J'ai déjà payé un nouveau billet ce matin, c'est mort, non. Désolé. Non, il y a l'alcool à acheter, il y a les boîtes à payer. Bagagerie du coup. Bagagerie. Guys, moi je vais me reposer ici, je suis fatigué. Tu veux te reposer où? On a pas de maison, tu veux te reposer. C'est insupportable, il se passe trop de trucs drôles, mais quand on filme pas, genre ça me saoule. Antonin, filme plus. Mais allô, mais de tout ce qui va se passer, il va se passer plein de trucs drôles, ouais. Le gaz. Petite vieille britannique n'aime pas les caméras. Non mais. Edouard, je sais pas ce que t'as, mais tu fais trop la star. Non, bah, c'est pas l'anniversaire, c'est son birthday. Oui, c'est la star. Non, quand t'es passé sous la manche, c'est bon, ton poumon il s'est pas déplacé. Non, bah, je dormais, en fait. Ah oui, guys, il y avait des risques quand il est passé sous la manche. Il y avait des risques, son poumon il se redéplace. Non, il se décolle, arrêtez, faut pas rire. On est quatre, qu'est-ce que ça sera quand il y aura les autres? Yes. Que montent des gens qui ont du talent contrairement à nous. 9 Scooby-Doo, nous on te suit partout. On va résoudre ce mystère. On chantait ça quand on cherchait le voleur de mon iPhone. Mais c'est de la vodka pour moi. Elisa elle arrive à quelle heure? Mais pourquoi elle est dans sa voiture là? Bah elle prend l'avion à 18h. Elle a fait un dab, elle me gêne. Tu sais petit. C'est un médicament, c'est petit. Mais non. Non c'est antiseptique. Mais non tu dis pas je suis antiseptique, c'est si, antiseptique le médicament. Ah antiseptique ça veut dire quoi? Bah j'ai vu que je suis dubitatif. C'est un médicament aussi hein. C'est mais n'importe quoi. Je dis à Brian tu te mets devant pour aller charger, du coup il se met de ce côté, on a oublié qu'il conduisait à l'envers. Je pense avant la fin du voyage je vais me racheter un iPhone hein. J'en peux plus. Un petit story time après de ce qui s'est passé et comment je me suis fait voler. Il est 9h du matin, je me suis arrêté dans un genre snack bar grec pour acheter des chewing-gums. J'ai laissé mon téléphone sur le comptoir 2 secondes parce que je cherchais ma carte bancaire. Et littéralement je vous promets que 2 secondes et demie après, je regarde et mon téléphone a disparu. Et j'étais là en mode mais what the fuck. J'ai fait venir des commissaires 3 fois au de snack bar pour qu'il récupère mon iPhone parce qu'évidemment ma théorie principale c'était c'est les gens du snack bar qui l'ont pris, enfin les deux vendeurs qui étaient là devant moi parce qu'il y avait qu'une personne qui était un peu loin. I don't know, ne posez pas de questions, je m'en suis assez posé. Le fait est que j'étais trop bête et que j'avais pas activé trouver mon iPhone. Et après j'ai eu une notification iCloud où il y avait écrit le nouveau numéro de téléphone de la personne qui avait mon iPhone et au lieu de screener le téléphone j'ai appuyé sur annuler parce que ça m'a fait peur. Je ne trouverai jamais la personne qui a pris mon téléphone, mais bon j'ai attendu quelques mois et je me suis repris un téléphone et celui-là je le garde précieusement. Genre vraiment je le traite comme un bébé, je donne à manger à la cuillère, genre je lui fais faire sa sieste. En 2019, je ne veux plus avoir tous les problèmes que j'ai avec mon téléphone en 2018. Ceux qui me suivent savent. Camden, moi je connaissais pas, mais explique-nous un peu ce que c'est. Camden c'est un peu le quartier street de Londres. Plus fort. Plus Camden, fort. Camden c'est un peu le quartier street de Londres. Bah c'est là où il y a beaucoup de friperies, population rock, genre... Ah, j'adore. C'est là, il est où le marché bizarre trop. C'est là-bas. On va faire de Melrose Avenue. Mais je vous emmène un truc trop beau à Camden. Yes. Notre bébé guide. Il a pris un souvenir sans faire exprès dans un de ses magasins. Guys, j'ai pris un porte-clé et genre je voulais l'acheter. Je lui demande combien c'est et je sais pas, je vous promets, par n'importe quel moyen, il est Il avait payé 50 là. 50 euros. Oui. J'ai même pas regardé le prix. T'as pas de ticket? Non. Il avait des amants qu'il a voulu voler en fait. Donc, laisse pas expliquer. Donc en gros, je voulais prendre un souvenir. Je demande au mec combien c'est. Sauf que entre temps, Antonin il a acheté des trucs. Et genre, d'un coup, le mec il dit attendez, évite de sortir toi là. Et là, il me prend à part. Il fouille ma poche là. Et il sort le porte-clé. Et je vous jure que je n'ai même pas fait exprès. Ou alors, je m'en souviens même pas. Option 1, il a mis ça dans ma poche. Option B, je suis vraiment malade. On est d'accord qu'il a sorti le truc de ma poche et il l'avait dans la main. Il y a grave moyen que. Ils ont essayé de mettre un truc dans ma poche. Non, ça a été soldurie. Et en gros, le mec il a dit soit tu le paies, soit on appelle la police. Il a dit on peut voir les caméras, mais justement, les caméras. Ils l'ont vu, ils sont pas. Mais n'importe quoi, il a dit ça, mais c'est faux. Ça fait pareil tour de riz. Non, mais je suis pas avec Thomas. Non, c'est vrai. C'est la dit. C'était toi mon iPhone dans l'épisode 2 d'Amour, je l'ai réaxé. J'ai paniqué.
Je veux pas du tout que les flics m'appellent. Et il a dit soit j'appelle les flics, soit tu le payes. Après il lui a mis. J'allais à l'emprise. Il lui a mis 10 fois le prix. Je lui dis là, je paye de là. Non, non, j'appelle la police. Non, s'il vous plaît. Moi, je voulais, j'appelle mon frère de la police, je veux pas. Hein. Tu lui dis non. Il te sort le truc de ta poche. Il a dit tu prends pour un con, c'est ce qu'il a dit. T'as évité la prison, genre. Et l'attention était si palpable. Il va où le grand bébé? J'en veux plus du grand bébé et ses caprices. Je veux plus que t'es. Faut qu'on va aller en faisant un star dans le marché. Qui veut faire une photo avec un voleur? Sérieux, Julie, il est parti en courant. Non mais ça me saoule, pourquoi il fait ça? Bramita, elle est finie, Jules. Il est où? Je sais pas. On vient de s'embrouiller, on vient d'arriver à Londres. Il est là-bas. Il s'en va. Il est où? Il est parti. Il veut que je sois un séjour comme ça, il va regretter pour moi d'ailleurs. En plus, tu le taquinais, genre, il savait. Pour moi d'ailleurs, tu me fais ça, t'as voulu voler, mais maintenant t'as su. Il a pas voulu voler, c'est juste qu'on taquinait avec ça. Bran est parti. Tout le monde s'est dispute. Le retrouver, c'est un labyrinthe. Bran, il a plus de batterie. Je suis désolé, mais je vais manger une gourmandise. Hein. Trop de stress. Mais on est où? Je sais pas. Je pense que Brian, il a fui les dramas pour aller acheter des fringues. Non, mais tu vas vous dire tout ce qui se passe à Londres. Ce sera dans l'épisode. Ce sera dans l'épisode, mais il y a déjà trop de problèmes. On est séparés. On va se faire interviewer, genre. Non mais au lieu de te filmer, il y a d'autres problèmes hein. Des gens sont perdus. Et Jules ne me parle plus. Non mais là c'est où est Charlie, genre il y a trop de monde. Non mais Jules, on est là. Brian, grand bébé bleu. Il nous parle plus, Jules il est parti. Il est parti où? Il nous parle plus. Mais faut le retrouver, il est parti tout seul, il est malade lui. Imagine, il est vraiment poursuivi par la police. Putain mais je me croirais dans Harry Potter là. Je coupe la caméra là, il y a trop de trucs et je vous tiens. Ouais, faut qu'on règle le problème, ça. Attends. Non. Tiens, prends du chocolat. Galère de dernière minute. Edouard qui nous fait venir tous à Londres n'a absolument pas organisé. Ouais, il nous dit ouais, on a cette adresse et tout, sauf qu'on sait pas comment récupérer les clés. En tout cas, un truc positif, c'est qu'on est dans le centre. Donc, croyez-moi qu'on va avoir une vie très active ces prochains jours. Ça a commencé fort. Donc, je pense que ça va escalader. Et cet épisode risque d'être très, très fou. Nos limites! Amour, gloire et décès. Non, pas amour, gloire et décès. Amour, gloire et policier, ah bah, pour le coup. Attendez, les gars, vous savez pas ce qui s'est passé? Je suis allé au Marks & Spencer acheter des confiseries et j'ai volé encore une fois. Oui, ils ont. Il s'est fait encore accuser de vol. Oui, ils ont dit, ouais, t'as pas payé le donut, j'ai dû montrer le ticket de caisse. J'ai choisi ma chambre. Guys, il y a un petit scandale. Gloria apparemment ne viendrait pas. Oh my god! Ah non, c'est pas grave. Oh non! Oh, mais à mais faut qu'elle prenne Eurostar. Je suis dégoûté. Elle est iconique cette chambre. Elles sont toutes iconiques, honnêtement. Personne peut se plaindre. Oh, la salle en fille. Ah, Emma et Loan, elles ont pu dormir ensemble. Emma et Loan? Oui. Non. Emma voudra son intime. Non. Voilà. J'ai vexé que Jules ne dorme pas avec lui. Et là du tout, là je suis énervé que Gloria ne vienne pas. Attends mais vous avez une autre salle de bain là? Non, moi c'est la chambre aussi. Hein. C'est notre chambre. Ouais. Non, Brian, t'en vas toi. On va un tracteur tous les deux. Il a dit Brian, on dirait un tracteur quand tu branches. Par contre moi j'ai pris ma chambre en bas parce que je pensais que c'était la salle qui était iconique mais elles sont toutes iconiques. Si je vois qu'il n'y a pas de salle de bain, je vais vite aller en haut. Si elle a pas de baignoire, je vais en haut. Oh mon dieu, j'ai pas de salle de bain. Non, c'est mort. Moi, je vais en haut. Qui veut monter 4 étages pour juste aller prendre ma douche? Oh, oh. Guys, on laisse les filles en bas. Ils pas le droit ici. En gros, ouais. Moi, Emma. Bah, Eloane, il va en bas, moi je reste en haut. Voilà. Non, je dors pas en bas. Dors-toi en bas. En bas, tu peux avoir le lit seul. Non, mais je dors avec Eloane ici. Non, mais pourquoi Update pour Netflix, mission abortée, j'ai trop le seul. La seule option, c'était qu'au Airbnb, bah, ils aient la fibre. Et ça n'a vraiment pas l'air d'être le cas. Wesh, Londres, faut step up hein, dans le Wi-Fi game. Sinon, j'ai un petit secret. Je peux pas dire parce qu'il y a quelqu'un à côté. Edouard, Brian. Jules! Ok, je crois qu'il y a personne. Bref, Gloria, elle a fait croire à Edouard qu'elle venait pas. Alors qu'elle m'a appelé et qu'elle vient. Donc, je suis le seul au courant. Donc, elle va faire la surprise. Edouard, il avait trop le seum. Il disait, ouais, il était plus dans le mood et tout. Mais finalement, elle peut venir. Donc, voilà. Moi, je vais aller la chercher et on fera la surprise. Mon amour! Je te crois pas. T'es endormi. Sérieux? T'es pas au bout de ta vie. J'ai jamais autant fait de trucs chelous dans ma vie. Non mais allô, t'es au courant que j'étais à Heathrow? J'arrive à 10h20 et tout, ma petite valise tombe toute pompette. Tu vois quelqu'un qui m'a dit hey, do you know where is the underground? Underground, c'est le métro, tu vois? Ouais. Il me dit yes, of course, the train is here. Tu vois, ok.
Tu vois, c'est pas vers mon train et tout. Je prends un ticket, j'arrive dans un train. Il me dit, prends ton train dans 30 minutes. Je fais ok, donc j'attends une demi-heure. Je regarde les Uber, je fais c'est 100 euros. Je fais ouais, comme ça, j'arrive au train. Et là, je me rends compte que le train, c'est pas le métro. Après le vol du porte-clés. Oh là. Excuse-moi, je ne recommencerai plus jamais, je te jure. Fais-leur un bisou. Tu m'as dit ça tout à l'heure. La vie de ma mère, là, j'arrête. Casse les couilles, je dis rien, ben moi, je casse les couilles. Et voilà, tu vas rien dire aussi. Et tu vas me les recasser. Et après, je vais les recasser. Allez, mange ça, moi, là, je vais manger. Non, non, mais non, là, tu fais trop ta princesse. Un scud, deux scud, trois scud, six scud, dix scud. Moi, je peux pas, c'est tout. Les arrivantes, elles arrivent quand, les deux? Donc là, on est au supermarché. J'adore, ça me rappelle les États-Unis. Mais carrément, ils vendent des sushis et tout. Ah, mais non, putain, j'ai pas mes lentilles, je vois rien. C'est de la viande crue, je pensais que c'était des sushis et tout. Edouard, il a dit, on dirait un poulet rôti. Non. Mais par contre, faut se préparer illico presto, genre en mais deux non, secondes parce que non. C'est si bon. Oh, mais c'est trop bon, trop bon. Allô. Pourquoi vous allez pas en boîte? Oh non. Demain. Vous savez qu'il s'est passé un truc de ouf. Quoi? Genre, j'arrive dans le métro avec Emma, bon, on chante et tout. Et là, on voit un grand groupe arriver. Emma et moi, on est groupe de quoi? Genre des jeunes? Des jeunes, genre, ils devaient avoir un an de plus que moi. Genre. Emma et moi, on est en mode, ouais, on aimerait trop être leurs potes. Les mecs sont français. Depuis, ils voulaient changer de groupe, ils voulaient plus être avec nous. Paola vient de se réveiller. Et là, on la pixelisera. Un mec à côté de moi, un des Français, commence à me dire ouais, vous êtes en vacances et tout. Elle m'a dit, je suis là avec telle personne, et elle, c'est ma copine. Et elle, elle a dit, ah, je suis ta copine maintenant. Ah, maintenant, je suis ta copine. Tu parles avec des filles devant moi et je suis ta copine. Non, mais c'était vraiment en couple. Pourquoi la fille c'est meuf comme ça? Et du coup, t'as dit quoi? Et moi, on s'est regardé en mode. Genre hyper gênée, tu vois. On a compris qu'elle parlait sur nous, du coup on commence à se foutre de leur gueule. On a cramé que c'était français parce que quand ils sont arrivés dans le métro, ils ont fait un bonsoir Paris. Adieu. Quand on descend, la fille a dit bah vas-y, tu vas pas suivre ta copine. Bon, je m'entends, je dis hey, t'inquiète pas, je vais pas te voler ton mec, hein. Jalouse de jalouse, hein. Et le mec il se retourne vers elle, il dit hey, tu sais quoi toi, ferme ta gueule et tout, moi. À sa meuf? À sa meuf, ouais. Il était gentil en fait, il voulait juste savoir d'où on venait, ce qu'on faisait et tout. Se faire des potes pour Londres, pour sortir, ouais, genre. Ouais, comme dit... vous. Ouais, bah... Non, après nous, quand on a. En plus, ils ont fait la danse du limousin, mais la honte, quoi. En 2019, la danse du limousin, on arrête. Mais bon, c'était le story time d'Elisa et moi. Oh, bah, là, on se prépare et on se renvoie. You passed. Non, mais tu me saoules, j'ai impatient. L'anglais, il est 6h du matin, tu commences à me péter les couilles. Starbucks, come to Starbucks. 6h, j'ai envie de pleurer. Vauxhall Station, in front of Sainsbury Local. In front of Vauxhall Station, near to the Starbucks. Is it like complicated? Oui, fait demi-tour, putain, mais je veux pas. Ils étaient en sens interdit, il y avait le bus vers nous. Je peux manger n'importe quoi, j'ai trop faim. On sait pas comment faire marcher le chauffage. On fait ça avec nos cheveux. Notre ami Eloane arrive dans 30 minutes. Il est en route de boîte et lui il arrive. Tout le monde dort. Demain, il y aura encore du drama. Enfin, no limit. Ok, c'est grave pas le moment pour filmer, mais on croit que Brian a oublié son sac. Il a sa sacoche dans le Uber, il y a nos passeports, nos cartes bleues, il y a plus rien. En gros, si on retrouve pas cette sacoche, il y a mon passeport. Hey guys. Oh mon dieu, tu nous fais une prière pour rien. Chiante. Ah, tu aurais fait ça, là, on serait vraiment dans la merde, et on serait dans la merde. Non, mais on aurait fait quoi? On serait à l'immigration, on aurait dit, on est des réfugiés politiques. C'est une énorme blague. Quoi? On peut pas ouvrir la porte sans la clé. Je sors par la fenêtre. On sort par la fenêtre. Poulet rôti, tu crois que tu vas sortir comment? T'arrives même pas à lever la jambe pour danser. On va casser les seins, on va tout casser. Tiens, tiens le truc, s'il te plaît, Edouard. Tiens ça. Non, j'ai trop faim, je suis désolé. Non, mais plus. Tiens la fenêtre, s'il te plaît, Edouard. J'ai trop peur que ça tombe sur toi. Il se trouve que ça tombe sur lui. Mais imagine, je me mets là et ça tombe d'un coup, genre. Allez, vas-y, en toi. Allez, les gars, allez-y. Mon Dieu. On va aller prendre le manger. Imagine, ça fait ça. Passons la veste du juste, mais. Allez, où? Je crois. Pourquoi tu vas avec le plaid?
C'est bon. Non, je te passe pas la veste, je suis désolé. Mais non. Je vais. Non, non, là t'abuses. Non, bah non. Non, Edouard, tu forces. On va en ramener, on va ramener. Mais en plus, le chantage, moi j'aime pas ça. Hein. Tu me promets ou pas? Non, tu lui donnes la veste parce que non, ça se fait pas. Non, bah, il est en petite culotte. Dis que non, voilà. Bonne journée, gars. C'est tout bête. T'es dans ce bon sens. Non, mais se referme pas. Oh non, par contre. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde. Bah, là, il en parle. Et toi? Oh. Non, mais sérieux, c'est pas marrant. Hein. Attends, mais. Fais ça. Non, mais arrête, imagine ça fait slack. T'envoies ça à un date Tinder. Ouh, il m'a fait peur. Oh, je me suis retordu la cheville. Je regardais TPMP parce que, comme vous savez, Bilal, c'est un de mes amis proches qui est en train de tout tuer dernièrement, qui est partout dans les médias, qui va peut-être représenter la France à l'Eurovision, j'espère. Du coup, je regarde tout parce que je veux qu'il continue de réussir et qu'il suive ses rêves. Et là, il y a Mathieu Delormeau qui envoie ses bad vibes, genre qu'il cala, il a dit n'importe quoi, il a dit, il fait du bruit sur les réseaux, mais il va jamais gagner Chimène Badi ni rien. Ça représente pas la France, alors qu'en résultat, il y a eu les juges internationaux et tout, il a pratiquement fait un score parfait. Tu le veux, lui. Qui le veut. Il est albino. Oui. La place. Maintenant, s'il vous plaît, les points attribués. Oh non. Les droits avec. Ça. Par là, je sais pas où on marche en fait. Oh, si c'est fermé, je vais soit aller au McDo en courant. Madame la chère, Brian, quoi? C'est une farce. Je vais sans passer les portes. Vas-y, passe après la fenêtre. On peut bien faire ça. Open in 7 minutes. Ok, fine. Je hurle. On dirait qu'on est des fans qui sont devant l'Apple Store pour acheter le nouvel iPhone. Ça va mieux dans le rhume. Non. Le cas avec l'alcool, tu sens moins la souffrance. J'ai mon angine. Mon docteur, il m'a dit de manger des glaces. Je me suis sans enfilé des Haagen Dazs 4 fois par jour sans me sentir coupable. Mon dieu, Eloine, il est juste là. Il est à 700 mètres de nous. Non, mais on dirait le paradis, genre. Tant d'options, de trucs à manger. Ils sont en train d'ouvrir la barrière. Tu crois elle va être aussi pointilleuse en mode elle va attendre 7 heures pile. En mode c'est le Black Friday. Ça a l'air d'être chieux. Il y a 5 personnes qui viennent, qui attendent devant, j'adore. J'ai l'impression d'être dans un monde parallèle, d'un coup il y a tout le monde qui arrive. Littéralement on est 8, on dirait c'est un jeu vidéo et d'un coup il y a les personnages qui commencent à arriver. C'est horrible, il nous reste genre une minute. Quand il y a écrit 7 heures, je te promets, je rentre en courant genre. Je suis trop faim. On dirait qu'on attend devant la cantine de l'école. Mais le temps exact, si vous saviez pas, sur votre téléphone les secondes elles bougent. Non, c'est bon 7 heures. Stepped in a club, I hit up the back. Where have you been, honey? What it look like, bitch, getting this money? Your shoes, your weave, and your purse. If... Moi, je vais prendre sushi. Par contre, j'ai sans envie de saler. J'ai des gâteaux au menu. Ah. Moi, j'ai faim. Mais pourquoi t'aimes trop les trucs mous? Ça, oh my god. Mais diversifie, prends pas que des brioches. Ma mère, ce qui se passe à 7h du matin dans les supermarchés, c'est un monde parallèle. Mais yes. Hello. Raconte ton périple. Je suis parti de Shanghai à 8h. Je suis arrivé à Amsterdam. Paris. Et t'as pris un bus. Je suis rentré chez moi, je me suis douché, je suis reparti, j'ai pris le bus. T'as fait combien d'heures de voyage en suivi? 24 heures. Oh my god, il est là, un survivant. Littéralement 8 heures du matin, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Pour finir cette journée, je vais vous faire un haul course. Un haul course rentrée de boîte. On va voir quels sont mes snacks qui vont me sauver la vie. On commence par le pack de Coca-Cola Zéro évidemment. Ça ramène noodles, des beef jerky, donc ma grande passion. De la glace, même s'il fait littéralement moins 4 degrés, mais apparemment c'est bon pour la gorge. Donc j'ai pris la saveur strawberry cheesecake. Maintenant que je le regarde, je me dis mais pourquoi j'ai pris ça, en fait ça me dégoûte un peu. Et dernier truc, de l'eau. Gueule de bois, je vais en avoir besoin demain. Quoique on a vraiment rien vu. Puis elle se met au travail, elle cuisine. Toi t'as acheté quoi? Je passe croissant. En gros, tout ce qui est carbohydrate, il l'a pris. C'était bien Shanghai. C'était si cool.
connu. Genre Instagram, c'est interdit. Instagram, Twitter, Snap, ils bloquent tous les réseaux sociaux. Et YouTube. YouTube aussi. Oh mon dieu. T'as accès à WeChat, le réseau social. Le réseau social, il est ouf parce que tu peux carrément payer avec le réseau social. C'est comme si dans la vraie vie, on payait que via Instagram, genre. Brian, non mais il est 8h du matin, tu veux pas venir boire le champagne. Un petit verre, on se Oui, on célèbre. On fait mon anniversaire, on se va. Là, vous êtes tout match. Je vous laisse, là, je vais manger et je vais dormir et on se retrouve demain. Donc demain, le cast sera complet, à part Gloria. Qui ne peut pas venir malheureusement. Hey, donc on est le matin suivant. Matin, ma version de la matinée. Parce qu'il est en fait 14h, enfin même 15h. Je débloque mon téléphone, j'arrive dans le salon. Ils étaient tous là en train de s'agiter, en train de se préparer et tout. Ils allaient faire du shopping à Oxford, genre on était censés tous faire du shopping à Oxford. Je reçois un message de Gloria qui me dit j'arrive littéralement dans 30 minutes. Tout le monde se battait pour voir qui allait aller le premier dans la douche et tout. Je commence à crier, je dis oh mon dieu, non c'est moi qui vais dans la douche juste après et tout. Faut absolument que je sois parti dans 30 minutes. Et j'avais même pas pensé à l'excuse que j'allais donner. Et Dieu merci, genre direct quand j'ai dit ça, Brian il me dit ah t'as un date et du coup bah j'ai enchaîné sur ça, j'ai dit oui j'ai un date, j'avais complètement oublié, faut absolument que j'y aille et tout, c'est dans un salon de thé et là ils sont tous partis faire du shopping à Oxford, je vais aller récupérer Gloria, on se donne rendez-vous dans un magasin qui fait des gâteaux, genre enfin une pâtisserie pour acheter le gâteau d'Edouard, je vais aller chercher Glo. Ça va. Deux valises énormes, wesh. Pourquoi il y a la queue comme ça? Toi, il y a une autre pâtisserie là-bas si on veut pas faire la queue. On a réussi notre plan. Mais personne ne sait. Ah non, mais il se doute de rien. Genre, il croit vraiment que je suis dans un date jusqu'à. J'ai dit, ouais, je mets quoi et tout. J'ai montré des photos et tout. Genre il croit tout. Ils sont à 100% dans le date. Vraiment. Ça va ton voyage? Raconte tes péripéties. Avec Maybelline. Yes. Bien. Comment ça s'est passé le fait que tu disais pas venir à Edouard? Bah en fait, parce qu'en fait j'avais mal lu et j'étais genre en mode attends mais je peux, mais même moi je me suis dit mais je pouvais pas y aller, ouais. Mais on avait pris un avion ici à Londres, ouais. 6h50 pour arriver à Paris. Et moi je pensais que c'était celui de Paris pour aller à Marrakech à 6h50. Parce que tu vas à Marrakech après. Oui. Mais Claude, là elle est en train de dire mais je comprends pas. On va choisir le gâteau. Premier endroit raté, ils font des gâteaux que à 48 heures d'avance. C'est une farce, ça prend autant de temps de faire un gâteau. Ouais, je sais pas, moi je vais faire en deux. Mytho. On va aller au centre commercial, on regarde. Sinon, on va chez Peggy la cochonne. Allez, moi je suis chaud Peggy la cochonne, ouais. Mais il y a la queue. Elle est sortie ou pas ta vidéo? Non, c'est ce soir. Ah, elle me demande pour la vidéo Netflix, c'est que j'ai vlogué en plus toute l'aventure. Parce que j'arrivais pas à la mettre en ligne. Je vais les gâteaux. Galère, on a deux valises, les gâteaux. Il est tout bancal, ouais, j'ai à faire deux tours de pise. Ça faisait 15 minutes, on était là en mode on prend quel gâteau, le grand au chocolat ou le grand à la fraise. Moi j'ai dit la grand à la fraise parce que qui aime les gâteaux au chocolat ici en fait. Et c'est pas le vendeur, il dit vous auriez dû prendre celui au chocolat, il est meilleur. Et elle me dit Gloria, elle a toujours raison, la vie de ma mère, genre. Oh my god, la surprise a failli être ruinée, on a eu si peur. Clara elle nous appelle et tout, on parle. J'ai pressé le faux pour savoir le vrai. Et je lui dis Clara, t'as dit à Jules que Gloria elle venait? Elle me dit oui. J'étais là en mode. Donc Jules il a fait genre il savait pas devant moi. Il a coupé, c'était une surprise. On va manger chicken, du poulet, on a trois. C'est votre pouvoir, c'est parce que vous êtes en train de regarder. Voilà, je vais te mettre de la sauce extra hot en cachette. Donc là on a notre bouffe. Et moi il veut même pas sortir. Et en fait on va tester la hot sauce et la extra hot. Allez, on trempe. Ça arrive tout à l'heure. J'en ai pas mis beaucoup mieux. Qui veut pas le faire? Non mais moi je peux pas. Non Antonin, tu goûtes. Bien que le riz épicé, je le trouve trop épicé. Non. Goûte, attends. Ah ça me brûle le doigt. Ah non. Too much. Mon dieu, non, ça va pas. C'est too much, arrête, ouais, ça fait 10 secondes, tu l'as mis dans ta bouche. En soi ça va. Dieu merci, je suis enrhumé, sinon je serais en train de pleurer là. On a fait nos petites courses. Vraiment. Avec l'eau, comme vous savez, comme ça a été dit dans le dernier épisode, on n'est pas des gros buveurs d'alcool fort. Du coup, on a fait nos stocks de vin. Après, mon kit shampoing sec. Crème dépilatoire. Je ne réalise pas que... Vous rendez compte, j'ai plus d'air dans mes poumons, j'ai fait tous ces ballons, j'ai la tête qui tourne. Sinon j'allais aussi vous dire, parce qu'on en parlait avec Gloria, j'adore les anniversaires, mais je vous promets, c'est le dernier Amour Gloria X anniversaire. Là j'ai envie de passer à autre chose, j'ai plus envie de filmer les anniversaires et j'ai envie de filmer des trucs un peu plus iconiques, genre juste après lui on va passer à autre chose, vous inquiétez pas. Regardez comme elle est belle, comme... oh mon dieu, ils sont là. Mes puces. Il y a trop de drama là. Attends, regardez Glo comme elle est belle. Elle est magnifique. Mais putain, mais super. Attends, je voulais mettre de la musique. Ok, bah vas-y, j'ouvre. C'est
Mes puces. Vous êtes pas chou. Oh my god. Edouard il va mourir. Lisa est dans la confidence. Parce que... Attends, coupe la caméra. Oui, ce soir, moi, je vais voir ma cousine, je vais voir personne. Il voulait venir à minuit et tout. J'ai dit, Elisa, tu te débrouilles, mais tu le fais rentrer et tout, parce que là, il est insupportable. C'est moi qui t'ai laissé ? Mais oui, mais j'ai fait aucun date, hein. Je suis allé chercher Glo, on a acheté les gâteaux, et regardez en haut. Oh my god, je veux voir, je veux voir. Oh my god. Oui, ouais. Yes. Oh. S'il vient pas ce soir, alors là... On a juste mis quelques ballons et on a les gâteaux et tout. Message de Edouard, j'arrive, je suis dans mon Uber bébé. Gâteau. Ouais, double surprise. Anthony va voir qui filme, on va juste faire croire la surprise, c'est des ballons. Et après, de l'eau qui descend. Ouais, ouais, j'avoue. Avec le gâteau d'animation. Et on met la musique. Avec le gâteau d'animation. Tu descends avec le gâteau. On a deux gâteaux. Il veut le gâteau. Tu croyais vraiment. Je suis pas allé voir un date, hein. J'ai fait ça toute la journée. Merci. Oh oui. Ma puce. Regarde, il y a un gâteau. Oh. Il est petit. On met une chanson d'anniversaire, non? The name on it. Your shoes, your weave, and your purse. If you're bad, believe that I'm worse. On dirait pas on a invité son idole, genre. C'est glorieux. Tu croyais que tu allais voir un date? Tu vas aller voir un... Les gens ont préféré le gâteau à la fraise. Si, on s'est embrouillé à cause de ça. Il leur a jeté un sort. Oui, mais là on a des témoins en live. Le noir c'est meilleur. J'ai jamais regardé, c'est un blanc qui dit un blanc, un noir qui dit un noir. Et moi j'ai dit chocolat. On est des gros mecs. Y'a Glo, wesh! Ça va? Attends, mon wig! Ça va? C'était bien le spa? Mais c'est trop bien! Tu m'as fait vomir, hein! Il m'a donné un sushi qui est tombé par terre! Wow. Rangement! Je veux pas un truc phare pour ton anniversaire, c'est toi qui choisis, hein! Bah, Sau, hein! Mais est-ce que Sau, vous connaissez des bombards? Bah oui! Bah, on y va et après, on va directement la voir! Paola, du coup, elle reste à la maison! Elle va soit aller dans un bar avec nous! Mais par contre, tu bois pas. Genre, oui, parfois on arrive à la faire rentrer dans quelques endroits, mais elle ne boit pas. Non, never. Regardez comment Paola elle a piqué son highlight, elle veut le laisser comme ça. Mais oui. Tu t'aimes pas? Non, mais on est pas à Coachella, babe. On est quand même à Coachella, non. Vraiment, je suis tellement content d'être ici avec vous. Non, il y a un truc qui va pas, Paola. C'est mon mascara, parce que. Maman, là. Oui, on dirait une poupée qui a pas d'expression. C'est un rouge à lèvres, idiote, mais moi je le sais. Quoi? C'est pas un rouge à lèvres, ça? Qu'est-ce que tu me racontes? Non, c'est un stick contour, mais c'est pas du mascara non plus. Buzz! J'ai découvert le secret de Paola Locatelli. Regardez comme tout le monde est en bobe. Vous savez qu'hier il y a la police qui est venue quand nous ouais, on était en boîte. Il y a la police qui est venue quand vous étiez en boîte. Nous on a ouvert la fenêtre parce qu'on pensait que c'était Uber Eats. On arrive et tout, on les regarde, ils viennent, ils montent son badge de police. Oh mon dieu, mais Elisa elle a tous les story time depuis elle devrait faire les story time. Qui a pris les clés? Tu vas avoir froid hein, comme ça, non? Vous avez la monnaie? Non, oui, bah, c'est bon, il est là. Sors, sors, sors. On dirait Fort Boyard. Paola, vas-y, intégrera toute la soirée. T'as ta caméra pendant toute la soirée? Oui. Il y a une colonie de vacances. Bref, là on va dans un premier bar à Soho. Voilà, après on va aller probablement dans d'autres bars et après on va aller dans deux boîtes différentes, je pense. Et Gloria, à 4h du matin, elle s'en va, cette icône. Marrakech, t'auras le temps de te reposer, non? Non, on a des tournages de 8h à 21h. Oh mon dieu. Hello guys, say mama, Yes, I did. Somebody needs a 25 if I am. But you got a heartbeat running away. Thank you. C'est où? Tu veux pas des sujets à l'unité, c'est un bonbon. Genre, il est 23h59, c'est vraiment la fin du monde. Mais c'est trop bizarre à prendre en main, genre. Il gaspille du plastique, genre. Moi je vais prendre ça mais ça a l'air tellement, on est d'accord. Non, ils ont vraiment pas l'air bon, je te promets.
On devait aller boire des verres dans une boîte, on finit par prendre à manger là, genre c'est une farce. Non. Ça a l'air si peu frais. Eh, c'est mangeable. Ça a l'air si peu. Que je pensais qu'il était. Attends, il t'a dit quoi le mec? Oui, dis-le. Mais ça me dit que ça, j'ai envie de pleurer là. Non, Antonin, il peut pas parler là, non. Genre là, on est tranquillement au Wasabi Club. Antonin, il est gentiment en train de parler avec Elisa. En gros, il y a un mec un peu bizarre qui a regardé Antonin, il a dit en anglais, son make-up ressemble à une drag queen. Donc là, il voulait pas en parler sur la caméra, je trouve ça pas normal. En gros, pour vous expliquer, le mec, il avait son visage juste ici. Et j'en savais pas capter, je me retourne et je regarde comme ça, il me dit avec tout ce make-up, you look like a drag queen, genre je sais pas quoi. Mais en mode, il l'a fait avec une intention blessée. Il a utilisé le mot drag queen comme une insulte. Et évidemment, drag queen, ce n'est pas une insulte. Mais en fait, ce qui m'a blessé, c'est qu'il ait utilisé ce mot pour m'insulter. Je sais, j'ai peut-être l'air méchant et normalement, je suis pas dans le mode confrontation. Mais là, j'ai tout simplement décidé de pas me laisser faire. Sans l'insulter en sortant, j'ai dit now. Ouais. Je le suis. Quoi? Connasse. J'ai envie de le suivre. Non, arrête, Michette. Il arrive vers toi, il arrive vers toi. Ah, non. Oh, il a poussé le vélo, il a poussé le vélo. Ugly ass shrimp. Connard. On n'entendait rien, je vous explique. En gros, Edouard nous a forcé à aller dans cette boîte qui était à 30 minutes de Londres, même pas dans la ville de Londres. En fait, la boîte de nuit, c'était pas du tout ce qu'on attendait. C'était censé être urban, hip-hop, rap, pop et... Bref, comme vous avez vu, on a fini dans une boîte qui n'était... C'est quoi ça? On a fini dans une... On a fini dans une boîte qui n'était vraiment pas ouf, du coup on a littéralement payé 10 euros plus Uber pour rien. Ah, elle était littéralement vide sur elle. La boîte était vide, la musique était nulle et je sais même pas comment on a fini là-bas. En plus on a pris un Uber de 30 minutes. Parce qu'elle est allée sur Google, il a vu des images avec des gens. Ouais. Et on m'a dit que c'était une soirée dancehall rap urbain. Moi c'est house. Mais même pas house, c'était dubstep. Il y a 5 pèlerins. Les femmes de ménage qui dansent. Et ça c'est drôle. Du coup on se dirige à Scandale, on va voir comment ça se passe. Renseignez-vous bien avant d'aller dans les boîtes. Et aller en mode le bec dans l'eau. Bref, kudos de malin, Fontaine de rap. La musique que vous allez entendre tout de suite, c'est le nouveau single de Bilal Hassani. Donc il vient d'en sortir deux aujourd'hui même, Jaloux et Fébélec. Donc allez streamer ça. Je n'ai pas le temps pour tes conneries, baby. Fébélec, Fébélec. Écraser. Photo de groupe, genre, pour immortaliser le truc. Oh, de ouf. Oui, 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 bonne idée. Quelqu'un qui va pas courir avec ton téléphone, s'il te plaît. Photo de groupe. La story time. Il dit ça, story time, troisième story time. Donc, il y a un mec qui nous a offert une bouteille en bois. On a finesse une table. Voilà. Le mec, il arrive, genre, 30 minutes tard. Et Brian, il dit au mec. Brian, dis ce que t'as dit. Moi, j'ai dit, it's my table. Quand t'as dit ça alors qu'on s'est fait inviter, faut de rien dire. Il a dégagé le mec et le mec il est venu me voir, il m'a dit ouais, ton pote il me dégage de ma table. Non, il a dégagé, c'était sa table. Pourquoi tu lui as dit it's our table? Mais c'est un peu le mec qui nous a fait rentrer. C'était lui. Il y a une voiture qui veut nous écraser. Ouh, c'est une farce. Pourquoi elle est sur le trottoir celle-là? Mais qu'elle est sans glace. Elle est pas sans glace. Elle se pose. Oui, guys, mais je crois que l'alcool c'était de l'eau. Il avait le goût d'eau. Il avait le goût d'eau. Ça avait pas de goût, mais c'est normal, c'est de la. Ah, on a trop l'habitude des alcools de pauvre en fait. Non, mais je te promets qu'il avait pas de goût, genre. Il avait le Belvédère, tu sens beaucoup moins passer. Non, mais je dis pas qu'il avait le goût d'eau, il avait le goût spécifiquement des viandes, genre. De l'air. Cristalline, ouais. Alors faut croire que la. Bon, on a finesse une table. Alcool ou pas, on sait pas. J'espère qu'il y avait pas du GHB. Depuis, il a pris Uber Luxe celui-là.
pour finir avec une Fiat. Non, je rigole. Une BMW série. Ah, quand même. Série 7. Oui, ça va. Parfois, tu l'as en Uber X aussi. Hein. En Uber Green. En Taxify, ça m'est arrivé des trucs mieux. Hein. Même en Blablacar. Bah, moi, je vais dans le Uber là. Je sais pas, je vais dans le premier venu. Attendez, je vous demande. Mais c'est une blague, ils nous laissent seuls. Mais c'est une blague, ils sont sûrs. Ils sont tout mal. Mais arrêtez. Le mec il va s'énerver. Le mec il s'énerve. Pas personne. Good. Et nous on rentre comment en fait? Sorry not sorry. Bon la voiture là elle veut quoi? Mon Dieu, il ouvre la porte. Gloé a mis Maps pour aller à une autre boîte. Dans quoi tu veux nous embarquer? T'as ton vol toi? Elisa t'es tout moche là. Mais j'ai trop mal. Mais regarde tes petites bottines, allô. Non mais regarde, non, tu... Ah voilà. Tes petites bottines bou. C'est bou. Il nous a mis la musique, on danse. We don't need that club. We don't need that club. We don't need that club. Be in my way. Marry her. Blossom Nicki Minaj. Il a rien compris, je lui ai dit mets du Nicki Minaj. Tu veux là, il est là-bas. Tu veux un peu de Calimocho? Calimocho. C'est du vin rouge. C'est du vin rouge mélangé au coca, vous connaissez pas? Oh, en Espagne ils boivent que ça. Quel est Calimocho? What is that? C'est vin rouge avec coca. C'est si bon. Qui est malade. Mais vous a... Non. En Espagne ils boivent que ça. Ils ne boivent pas ce genre de choses. Non mais bois. Bois une gorgée, c'est vraiment bon. C'est. Brian t'abuses. Honnêtement, je connais pas une seule personne qui n'aime pas le Calimocho. Est-ce que nothing talk en Coca-Cola? Je comprends rien à ce qui se passe là. Tu parles espagnol et lui tu prends ça. Oh là là, t'es folle. C'est bon. T'as vu? Tu vas te servir. Bah, Calimocho, non, connais-tu Calimocho? Pourquoi il nous parle en Coca-Cola? Mais c'est du vin rouge avec du coca, mais c'est la boisson par excellence d'Espagne. Tout le monde boit. Du vin rouge avec du coca. Mais goûte, mais c'est. C'est trop fort. Tu peux baisser la musique? C'est inutile. Chouchou. C'est bon, tu dois partir à Marrakech. J'ai ton chargeur et ton téléphone, ça va, t'as 42%. C'est froid. Ouais. Glo, cette icône, dès que l'Uber est devant la porte, elle va sortir du lit, mettre sa veste, ses chaussures et partir. Mon icône, trop busy. Elle est gueulée. Bébé, amuse-toi à Marrakech, tu m'appelles hein, quand t'arrives. Vite, mets-toi dans la voiture, il la met. Bon voyage, Glo, il fera plus chaud là-bas. Mais t'aimes la bouffe piquante? Mais t'aimes la bouffe piquante ou pas? Ça arrache. Mais c'est bon, hein? Oui. En pleurs. Mais c'est bon, hein? Calimocho ou pas? Bref, Antonin, dis-nous, c'est quoi ton programme là? Dès quelle heure? Alors, moi j'ai envie de continuer la boîte, de faire un after comme d'hab, je suis toujours OP. Brian il vient et Edouard aussi, du coup. Mais si on se fait, si on rentre. Parce que, ouais. Très galant toi. C'est super spicy, mais j'adore. Quand j'arrive aux toilettes, je dis pas la même chose. 5h du matin, on va où? Dans une autre boîte. Non, mais on s'arrête jamais. Regardez le taxi, genre. On rentre dans un brancard, mais. On va direction hôpital. On va dans un brancard du paradis. Il met juste le truc de carte bleue et c'est tout, ouais. Oui. On en paye et... Pas de conversation, mais je préfère. La queue, je mets 2 sur 10, quoi. La 6, elle est tellement petite. La ceinture. On s'assoit sur des strapontins. C'est vraiment strapontin. RRB, c'est quoi? Faites attention à la marche en descendant du train. Coudalo de le patio. Please mind the gap. Train on the platform. On est enrhumé et tout. Bon, on sort quand même. C'est une blague, je vais compter remonter, j'ai de l'anxiété. Littéralement 6h du matin, on est sorti pour rien, une perte de temps et d'argent. Pour vous la faire courte, une des boîtes n'acceptait plus personne à partir de 5h du matin. Et la deuxième boîte, genre ça coûtait genre 20 livres. Et la musique, c'était de la musique techno, mais qui veut? Il est 6h du matin, on a perdu une heure pour rien, donc on va se dormir. On se verra demain, moi j'en ai marre de ces excès. Hein. Reste là. Ouais mais non, ils vont me saouler pendant 3 heures. Mais non, ils vont tuer. Tu fais cry, tu dors. Non, ils vont me réveiller. Tu fermes ma clé? Tu sais qu'ils sont venus me voir en haut. Mais tu fermes ma clé? Non, je vais y aller, c'est bon. Bon, il y a eu un petit drama. En gros, Emma dormait avec Edouard. Sauf que Jules et Emma ont parlé toute la nuit pendant qu'il y avait Elisa et Paola qui après sont rentrés. Du coup, quand on est rentré, Edouard a vu Jules dans le lit d'Emma et ça l'a saoulé parce qu'il voulait dormir dans ce lit avec Emma. Ils se sont énervés. Et le lendemain, bah. Jules, il part, oh my god, à cause des dramas. Attends, pourquoi tu pars? C'est quoi la raison? Trop de boulot. À Paris.
J'y crois ici. C'est pas grave, mais toi. Mais non, mais il fait froid, c'est triste. Non, mais ici, le soleil se couche trop tôt. Du coup, ce soir, tu veux faire quoi? Last birthday day. Karaoké, genre. Et karaoké. Karaoké, boîte. On a pas assez bu, j'ai envie de rentrer et d'être. J'avoue que par contre, on est des petits joueurs. Pas de beaucoup. Là, il y a eu beaucoup de drama et tout, mais là, c'est bon, autant qu'on ça va, Emma, t'as bien dormi. Ne bouge pas dans cet état là. Il a mis une serviette dans ses cheveux alors qu'il en a pas. Mais c'est grave. Moi je fais comment pour me laver? J'ai besoin de serviette. Pourquoi t'as mis une serviette? C'est mouillé. Mais c'est quelle supercherie. Mais ça sèche à l'air ça. Mais oui. Du coup on est venu sécher Kenchak. Anto il peut pas être là vu qu'il était en train d'upload sa vidéo pour la poster ce soir. Donc du coup là Pao qui s'en va ce soir. En tout cas Pao le grand remercie d'être venu pour moi. Ça m'a fait vraiment plaisir. Elisa va aller chez sa tante. Et nous on va rester un peu, on va chiller tout ça. Et Anto va arriver, je sais pas s'il va arriver à temps pour voir Pao ou pas. Mais en tout cas c'était Pao, elle vous fait de gros bisous. C'était vraiment trop bien, c'était un week-end de ouf. C'était hyper court hein, mais on s'est trop amusé. Et trop bien. Voilà, c'est vraiment à refaire, on fait ça le mois prochain. Bah, plein de bisous et puis on se verra dans un prochain amour vert. Et c'est la vie. Bon là elle est partie, j'ai trop le seum. Oh regardez là, elle est trop belle. Mais wesh, t'as disséqué ton burger, c'est quelle histoire? Fanfaron. Mais j'ai faim. Il est 20h, je prends un café. On est arrivé en même temps avec Elisa. Mon bruit de nouvelle enquête, quelqu'un a pris mon chargeur. Ils entendent rire, ils sont là en mode ah, je l'ai niqué. Non, mais ça va pas marcher comme ça par contre. Qui est allé dans la chambre pour mon chargeur, vous me le rendez tout de suite. Quelqu'un a pris mon chargeur, c'est pas possible. On a rien pris toi. C'est tout match. Ah, il est là. Chelou, on s'en va. Ton à sortir. Salut tout le monde. Salut les nazes. Vous êtes trop nuls. Vous êtes des bolosses. Putain, ça pue le pet, qui a pété? Pas moi. C'est pas toi, ça sentait. Ça sentait là-haut. C'est pas toi. C'est trop cute. Il secure the bag, genre. Ah, on dirait du fitness. Ok, allez. Encaisse les coups, c'est tous des jaloux. Jaloux, moi je m'en fous de toutes ces choses qui me disent c'est juste des jaloux. J'aime pas trop ta voix, tu chantes un peu fort. T'y arriveras pas, va faire tes vidéos. Encaisse les coups, c'est tous des jaloux. Jaloux, moi je m'en fous. On va faire un défilé. Bref, aujourd'hui, donc j'ai pas énormément filmé parce que bah, ça a commencé la journée avec Jules qui part. Ah oui, on est allé à Piccadilly Circus comme vous avez vu. Et après on est rentré, on a fait un peu la fête comme vous avez vu. Moi je suis parti rencontrer quelqu'un genre. Moi je pensais qu'ils allaient aller en boîte et que j'allais les rejoindre là-bas. Mais finalement non, ils sont allés dormir. Là il est assez tard et on a commandé à manger. J'ai pris des pâtes qui piquent, je vais sauver à manger. Il y a des mac and cheese, il y a des frites, yes. Très gênant, il y a la femme de ménage qui est arrivée. On vient de se réveiller, on pensait que j'étais quand c'était dans une heure. En tout cas, moi je m'en vais. Du coup, il y fuit les problèmes. J'ai mon jet privé qui m'attend, je dois aller à l'aéroport et tout. Donc, non, j'ai trop le seum. Mais en tout cas, ça me fait super plaisir de passer le temps. Je t'aime, Antonin. Merci à tout le monde. Emma, Paola, Gloria, Eloan, Jules et tout le monde. Raya. J'ai grave kiffé à passer à mon relaxé avec vous. Merci d'avoir filmé tout ça. Je pense que ça va être très scandaleux. J'ai un peu honte. C'est un peu nul. Ça va? Non.
T'as pas de batterie en plus, cerise sur le gâteau. D'ailleurs, le gâteau. Dernière part. Oui. Tu vas te gêner. Je suis si fier, c'est moi qui l'ai choisi. Take that, Gloria. Grand bébé bleu est devenu le grand bébé rose. Quand le drôle, on est en train de marcher, il y a une meuf, elle dit à Abraham, love your hair. Elle dit, love your hand, stop. C'est sûr qu'un jour, elle voulait me compliquer. Ouais, une amitié, elles, ils ont commencé à parler. Oui, elle voulait être amoureuse. Elle voulait de l'argent. Depuis le compliment ici, il vaut 2 pounds. C'est une farce, Brian, il fait son shopping dans l'ascenseur. Il va rien se passer ce soir de plus parce qu'on va rentrer chez nous. Des rebondissements, des scandales. Si vous venez à Londres, sortez tôt. Ils sortent tôt, sortez pas en boîte tard. Pendant la journée, parce qu'il fait nuit. Oui, il fait nuit très tôt, c'est trop déprimant. Genre, là, il est même pas 17h, il fait nuit. Ouais, il fait complètement nuit noire. Anywho, on fait de gros bisous. Si cet épisode vous a plu, mettez un pouce bleu, s'il vous plaît. Comme vous savez, ça me prend énormément de temps. N'hésitez pas à aller voir l'Instagram et les chaînes de tous les gens qui étaient dans cet épisode. N'hésitez pas à activer les notifications de la chaîne. Prochain épisode, ce sera pas un anniversaire. Ce sera un endroit très différent de ce qu'on a vu sur Amour, Gloire et Excès jusqu'ici. Voilà, on vous fait de gros bisous. Bye.